pas. Monsieur de la presse, pour être venu pour présenter cette actualité. En fait, nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors, nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points à concerner l'actuelle CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble de forces politiques, parce qu'en son temps, dans le cadre de la MOUCA, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la CENI, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la Nouvelle Élan et SID dans le cadre de la MOUCA. Ça, c'est la première proposition. La CENI nous a dit que cette question ne relevait pas de sa compétence. C'est ce que nous avons compris. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans le Nord Kivu, à savoir Masisi et Rutshuru, et 1 dans le Bandundu, ancien Bandundu et Maïndombe, à savoir Kwamutu. Et que par conséquent, le fichier est incomplet, le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant, et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, l'identification de l'enrôlement le moment venu, quand la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi, au troisième point, du financement des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement, et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Et nous pensons qu'il faut faire pression, nous les avons dit. Si véritablement on veut aller à la fin du processus et dans le délai constitutionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent. Et les bonnes perspectives qui s'annoncent d'après ce que nous avons entendu, je crois que c'est une déclaration de FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance à paiement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CENI pour parachever les opérations. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Alors pour les consensus qu'on recherche au niveau de la classe politique congolaise, c'est quoi votre recette? Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Vous croyez encore au respect du délai constitutionnel? Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause des problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier, de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse d'églissement. Vous êtes d'accord de partir aux élections sans ces partis qui sont aujourd'hui Nous ne sommes pas, mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Donc nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés
Et nous pensons que l'Église catholique peut nous y aider parce qu'au plan international, même pour la partie que nous ne contrôlons pas, qui est contrôlée par les rebelles ou le Rwanda, nous pensons que les institutions concernant l'Église catholique pourront nous permettre d'assurer la surveillance et l'enrôlement pour que les élections se fassent en temps voulu. Merci. Le président de la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble des conditions réalistes pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui. Ils n'ont pas la possibilité de s'émouvoir correctement. Ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié. Et puis, il y a eu, le président de la CENI appelle ça des rumeurs, des cas d'accidents où on a vu le matériel de la CENI, des kits électoraux à Kasumbalesa et à Tchikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui. Et vous avez un fichier, et ce fichier, nous le contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse. Pour nous, donc, il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problèmes aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que le fichier était correct, que le fichier a des faiblesses de 2-3% qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que
ce fichier n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prendons nos responsabilités. Donc, pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées, l'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. Est-ce qu'à ce stade, Monsieur le Président, on peut dire qu'on peut... Monsieur, la question que nous avons posée pour les cas de la Moka, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première, réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes affichées. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut, pour avoir la fiabilité totale, il faut un audit. Oui, madame. Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, ils reviennent à nous pour nous donner la réponse à cette question. Avez-vous évoqué les questions liées à la sécurité d'un côté? On a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent, oui. Le président de la CENI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 100 millions qui doit être décaissé incessamment. La question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui de résoudre parce que ce n'est pas lui qui gère le pays. Non, c'est comme ça que nous avons dit. Nous avons dit ceci. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, et concomitamment à ça, on fait l'audit du fichier électoral. Donc, ça ne va pas retarder les élections. Merci, messieurs de la presse, pour être venus pour présenter cette actualité. En fait, nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors, nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points à concerner l'actuelle CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble de forces politiques, parce qu'en son temps, dans le cadre de la MOUKA, mon parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau du bureau de la société civile, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI, au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la suite du processus, et c'est ce que nous avons dit au président de la CENI, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la Nouvelle Élan et SID dans le cadre de la MOUKA. Ça, c'est la première proposition. La CENI nous a dit que cette question ne relevait pas de sa compétence, ce que nous avons compris. Le deuxième point, c'était le fichier. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans le Nord Kivu, à savoir Masisi et Rutshuru, et 1 dans le Bandundu, ancien Bandundu, et du Maïndombe, à savoir Kwamutu. Et que par conséquent, le fichier est incomplet et le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, identifier l'enrôlement le moment venu quand la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi au troisième point du financement
des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec le processus quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Et nous pensons qu'il faut faire pression, nous les avons dit. Si véritablement on veut aller à la fin du processus et dans le délai constitutionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent. Et les bonnes perspectives qui s'annoncent, d'après ce que nous avons entendu, je crois que c'est une déclaration de FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance à paiement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CENI pour parachever les opérations. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Alors pour les consensus qu'on recherche au niveau de la classe politique congolaise, c'est quoi votre recette et qu'est-ce que vous avez dit avec nous? Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Vous croyez encore au respect du délai constitutionnel? Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse de glissement. Vous êtes d'accord de partir aux élections sans ce parti que sont aujourd'hui non plus en compte? Nous ne sommes pas, mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Donc nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les trois territoires concernés. Et nous pensons que l'Église catholique peut nous y aider parce qu'au plan international, même pour la partie que nous ne contrôlons pas, qui est contrôlée par les rebelles ou le Rwanda, nous pensons que les institutions concernant l'Église catholique pourront nous permettre d'assurer la surveillance et l'enrôlement pour que les élections se fassent en temps voulu. Merci. Le président de la CENI avait voulu cette réunion simplement pour voir avec nous les candidats présidents de la République pour les élections à venir, comment regarder ensemble les conditions réaliste pour avoir des élections crédibles, des élections transparentes, des élections inclusives, des élections apaisées. Nous avons discuté avec lui, nous avons passé en revue tous les problèmes que nous posons, c'est-à-dire problèmes dès le commencement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI, le problème de la loi électorale, des faiblesses de cette loi, des points de désaccord qui se trouvent dans cette loi, le problème de l'inclusivité des candidats qui sont embêtés aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir correctement, ils sont convoqués à tout moment. Nous avons parlé de problèmes surtout de la confection du fichier électoral. Ce fichier, d'après nous, a été confectionné dans des conditions opaques. Vous savez tout ce qui s'est passé, les machines défaillantes, le personnel non qualifié, et puis il y a eu, le président de la CENI appelle ça des rumeurs, des cas d'accidents où on a vu le matériel de la CENI, des kits électoraux, à Kasumbalesa et à Chikapa. Et nous voulions avoir des précisions et pour savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui
et vous avez un fichier, et ces fichiers, nous les contestons. Ce fichier n'a pas été audité par un organisme indépendant, qualifié, réputé, avec nos auditeurs à nous, nos observateurs, pour attester que le fichier est réellement fiable. Vous avez vu, nous avons passé plus de 4 heures pour discuter de ces questions. Donc c'était sérieux. Le président de la CENI maintient que ce fichier est fiable d'après lui. Il dit que ce fichier a été audité et que son audit à lui a fait une recommandation qu'il va appliquer, implémenter. C'est quoi cette recommandation? C'est afficher les noms des électeurs tels que recensés. Nous avons dit, nous sommes d'accord que vous affichez les noms des électeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Il faut l'audit externe par un cabinet réputé, indépendant de ces fichiers électoraux. Donc, pour l'instant, il a pris cette proposition qu'il va amener à la plénière de la commission électorale et après, nous aurons la réponse pour nous. Donc, il est essentiel que les fichiers soient audités. Parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Ce qu'il nous a dit, il s'est justifié, il a donné ses raisons et il a reconnu que ces genres de réunions, ou si ces genres de réunions étaient faits, organisés avant, on n'aurait peut-être pas eu de problèmes aujourd'hui. Mais nous sommes là où nous sommes, il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi, sur la crédibilité de ces processus. Donc, ce qu'il faut comprendre, nous avons suggéré au président de la CENI que nous puissions tous avancer. Vous affichez la liste, les opérations continuent, mais l'audit aussi s'est fait. Si l'audit vient nous révéler que le fichier était correct, que le fichier a des faiblesses de 2-3%, qu'on peut surmonter, nous sommes d'accord. Mais si l'audit nous dit que ce fichier n'est pas consommable, il faut prendre ses responsabilités, nous prendons nos responsabilités. Donc, pour l'instant, voilà la conclusion à laquelle nous nous sommes arrivés. Les listes seront publiées. L'audit, nous l'avons demandé et nous l'exigeons. C'est une exigence qu'on ne peut pas mettre de côté. Lui, il va poser la question à la plénière et il reviendra à nous. Est-ce qu'à ce stade, M. le Président, on peut dire qu'on peut... Monsieur, la question que nous avons posée pour le cas de la Moka, c'était de dire que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux tant que le fichier électoral ne sera pas un fichier fiable. Et nous sommes en train de trouver cette solution. Donc la question que nous avons posée, la réponse que nous avons eue, vous aurez une première réponse au niveau de la fiabilité en ayant les listes affichées. Nous avons dit que ce n'est pas suffisant. Il faut, pour avoir la fiabilité totale, il faut un audit. Oui, madame. Très bonne question. Nous avons suggéré que la semaine prochaine, ils reviennent à nous pour nous donner la réponse à cette question. Avez-vous évoqué les questions liées à la sécurité d'un côté? On a posé des questions liées à la sécurité et à l'argent. Oui, le président de la CENI a dit que pour lui, il attend, il a 6 ou 7 mois d'arriéré et que le gouvernement a promis 100 millions qui doit être décaissé incessamment. La question de la sécurité, nous avons posé, mais ces questions-là, ce n'est pas à lui de résoudre parce que ce n'est pas lui qui gère le pays. Non, c'est comme ça que nous avons dit. Nous avons dit ceci. Nous continuons le processus et concomitamment aux autres éléments qui sont dans les calendriers, qui sont en train d'être faits, et concomitamment à ça, on fait l'audit du fichier électoral. Donc,
ça ne va pas retarder les élections. Merci. 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 Merci.